à travers l'affaire civile à Monisco, presque quatre dialogues, il y a eu un canapé au commande, il y a eu un membre qui a fait un salam dans la communauté. Le message de la communauté est d'éviter l'hypocrisie. Mais quand tu as évité l'hypocrisie, je te laisse les dialogues dialogue n'a pas ta réussite. La réussite est qui t'a coupé salam. La Monisco a facilité plusieurs choses, à part mettre et les communautés sur une même table, ils sont partis trop loin jusqu'à ce qu'on a réussi à mettre les différents leaders de ces groupes armés sur une même table pour trouver des solutions à des différentes revendications. Nous espérons qu'il y aura la paix parce que les frères et sœurs ont compris que le temps n'est plus pour prendre les armes, le temps n'est plus pour s'entretuer, mais nous avons l'obligation de nous mettre sur une même table et enterrer la hache de la guerre. Nous avons tout un comité de suivi qui implique les leaders de toutes les communautés. Et nous travaillons maintenant avec ce comité de suivi. Donc c'est sous forme d'une stratégie triangulaire qui prend l'autorité, la MONUSCO, ainsi que les communautés pour faciliter la relance des activités socio-économiques ainsi que la circulation des personnes et de l'air. Donc, ce que je salue, c'est le fait que tous les leaders communautaires puissent s'aligner derrière ce schéma. Donc, si nous évoluons sur cette lancée, l'Ituri pourra recouvrer la paix.